C'est la Dark. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft parce que je voulais vous dire merci. Merci pour cette année formidable qui a pour moi été vraiment exceptionnelle. Je suis vraiment très heureux. Déjà, on a passé les 80 abonnés, donc merci à vous. Et surtout, j'ai pris énormément de plaisir cette année à créer, à partager. Voilà, je voulais vous remercier parce que je suis vraiment très heureux de la chaîne que j'ai réussi à construire, que nous avons réussi à construire. Parce que même si c'est moi qui fais les vidéos, vous avez participé tous, autant que vous êtes, ceux qui ont mis un pouce bleu, ceux qui ont vu, ceux qui ont partagé, ceux qui ont commenté et m'ont donné leur avis. Vous tous, vous avez contribué comment dire, à l'amélioration de la chaîne et je tenais à vous remercier. Vraiment, grâce à vous, je vis un rêve que j'ai pas envie qu'il s'arrête. Il ne s'arrêtera pas, ne vous inquiétez pas, enfin, pas pour l'instant. Vraiment, je suis très heureux. Et donc, vous l'aurez peut-être remarqué, mais on se retrouve sur la map de Minecraft Survie Solo saison 1. Et oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été ici. Ça fait depuis la fin de la saison qui a été terminée il y a plus d'un an maintenant. Et j'ai toujours voulu faire une saison 2 et je vais mourir. Et il y a un creeper. Ah, attendez. Ça fait longtemps que je veux faire une saison 2, mais en fait, je ne sais pas du tout si je vais la faire. Tout simplement parce que il y a déjà eu une saison 1 et je me souviens que j'en avais marre en fait, au bout d'un moment, d'être tout seul. Alors il y a une série en coop qui sort en ce moment sur ma chaîne. Mais bon, c'est pas. Vraiment, si je suis sur cette map, c'est vraiment juste pour le côté nostalgie. Et je suis mort. Mais c'est vraiment juste pour le côté nostalgie. Parce que bah, je me rappelle de tout ce qu'on a fait en fait. De toutes ces constructions, de tout ça. Ça a duré longtemps et c'était vraiment exceptionnel. J'étais vraiment super heureux de faire les vidéos. Il y avait Jacques le prêtre qui était très mal orthographié. Enfin, il y a eu toutes nos constructions. Bon, il y a eu surtout de la construction pendant cette survie, hein. Il n'y avait pas beaucoup de survie. Mais c'était vraiment exceptionnel. J'ai vraiment adoré la faire cette série. Et j'adore toujours faire des vidéos aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à vous. C'est parce que quand vous mettez un pouce bleu, ou un pouce rouge même en fait. Ce que j'aime d'en faire des vidéos, c'est voir la vie des gens. Vous voyez, je fais pas. Je pourrais faire des vidéos, mais le fait de les publier, je me fiche franchement d'avoir des abonnés, je vous le dis. Même si ça me soutient énormément, ça me fait chaud au cœur. Ce que j'aime, moi, c'est quand je vois des commentaires positifs ou négatifs, en fait. Non, négatifs, non. Ce que je veux dire, c'est des commentaires bien construits. J'aime bien quand les gens critiquent ma chaîne, ma vidéo, mais après, quand ça reste dans une certaine mesure, quand on critique juste pour critiquer, bien sûr que j'aime pas, je vais pas vous dire merci de m'insulter ou cela. Non, d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce qu'on est vraiment une chaîne formidable. Enfin, grâce à vous, la chaîne qu'on a réussi à construire est formidable. Il n'y a pas eu de haters, il n'y a rien eu de mauvais en fait, de malsain. Vraiment, la chaîne YouTube, depuis qu'elle est créée, il n'y a eu que du bonheur pour moi. Vraiment. J'ai jamais eu de frustration, jamais eu de tristesse, vraiment. Et donc, je tenais à vous remercier de votre soutien, de tout ce que vous avez apporté, de tout ce que ça a apporté dans ma vie. Alors, je sais que c'est une petite chaîne, vous devez vous dire, non, mais tu exagères, t'as que 80 abonnés. Pour vous, c'est rien, et pour beaucoup de gens, ce sera rien. Et même moi, je sais que c'est rien, 80 abonnés. Attendez, on va tuer ce zombie. Mais vraiment, ça me fait chaud au cœur et ça me rend hyper heureux. Alors, je sais que vous. Comment dire? Là, j'ai les larmes aux yeux. Juste pour vous dire, quand je vous parle, là, j'ai les larmes aux yeux et ça, c'est parce que je suis vraiment super heureux. Et voilà. Rien qu'être sur cette map, en fait, rien que la lancer, je vous avoue que ça m'a fait un petit quelque chose parce que déjà, ça fait plus d'un an que je suis pas allé dessus et depuis que la série est terminée, j'avais vraiment pas envie d'y retourner. Déjà, il y a eu un truc un peu malsain quand même sur la chaîne. Enfin, c'était pas malsain du tout, hein. Il n'y avait pas eu de problème. C'est juste, j'en ai eu marre de cette série. Bon, après, c'est pas malsain du tout. C'est normal, on se lasse au bout d'un moment.
Mais genre lancer cette map, ça a été compliqué de 1 parce que bah, enfin, je suis encore lassé de cette survie. Voilà, parce que elle a duré longtemps, ça a pris beaucoup de temps et bah, au final, je me suis lassé et aujourd'hui, même quand je veux lancer cette survie, ça me lasse d'avance. Même si je suis très heureux de tout ce qu'on a construit. Hein. Après, il y a d'autres choses aussi. C'est que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lancé, ça me fait quelque chose. C'est vraiment le côté de nostalgie. Je vous l'ai déjà dit, hein, ça fait 10 fois que je me répète, mais je suis vraiment super heureux d'avoir fait cette série, fait cette chaîne YouTube. En fait, tout ce que j'ai fait, je suis vraiment super heureux de l'avoir fait. Et donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo, les amis. Vraiment, j'espère qu'elle vous, enfin, pas qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous allez bien, vous et vos proches, dans ces temps difficiles que nous vivons. Vraiment, je tremble en vous parlant tellement je sais pas comment vous dire merci. Je vous dirai jamais assez merci. Mais voilà, ciao ciao, à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.